Je me suis pourtant bien maquillée ce matin chez moi, mais j'en ai pas mis assez, alors donc... Oh, les meilleurs souvenirs, ça a toujours été la réussite des nouveaux modèles après chaque salon. Quand un produit arrivé à aboutissement est plébiscité par l'ensemble des distributeurs, on a gagné le match. On a gagné la Coupe du Monde. S'il y a quelque chose où il faut rester très humble et très modeste, c'est dans la création. Il n'y a qu'une chose de permanent, c'est le changement. Je conserve quand même toujours une forme d'inquiétude sous une apparence de certitude. Parce que l'inquiétude, tu ne peux pas la partager. La vie m'a appris à modérer l'enthousiasme que l'on peut avoir, mais oui, objectivement très confiant. La mode est éphémère et ce que vous dites ne l'est pas, c'est permanent. Cette notion-là doit exister au quotidien près des gens. Je pense vraiment que la réussite totale, c'est lorsqu'elle est collégiale. Ça fait du bien, je dirais, de pouvoir s'entourer de gens qui peuvent avoir des idées différentes ou des comportements différents, surtout de le penser avec d'autres. Cette relation simple, cette relation tout court que les gens doivent avoir entre eux, c'est comme une plante, hein, faut l'arroser. Hein. Donc, peu importe les échelons hiérarchiques. D'ailleurs, chez nous, on pourrait tous les supprimer, que ce serait bien. C'est l'opérationnel convaincu de quelqu'un qui fait son boulot dans le respect de l'entreprise et qui apporte sa contribution au quotidien sur ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait. Tous ces éléments-là sont des éléments rassurants pour les années qui viennent. L'identité Gautier doit, contre vent et marée, maintenir cette forme d'éthique qui a fait ce que nous sommes, avec deux mots que je prononce souvent, la tolérance et le respect des autres. L'aventure mérite d'être vécue. Voilà. Oh, je suis curieux de voir comment ça va, comment ça, tout ça. Je parle pas de moi. Je parle, non, arrête, mais pas pour moi.